Bon, maintenant, je vais vous présenter des matchs que j'ai joué avec Cloud pour la conquête de l'élite Smash avec lui. Bon, avant tout, je vais commencer avec deux matchs en équipe, dont un joueur me fait passage de vie alors que je mène deux vies contre un. Les gens me font pas confiance. Moi, j'ai ça au bout quand quelqu'un me fait ça parce qu'il me met plus dans le trouble que d'autres choses. Je pourrais considérer être chanceux d'avoir réussi à l'emporter parce que moi, je dirais réellement que vous réussissez. Surtout que là, ici, j'étais au-dessus de 165% de dégâts à deux vies. Toi, ça vient me faire un partage de vie. Puis tu t'imagines battre un joueur des héros. Hey, t'es malade. Oui. C'est que bien comment ça s'est passé ce genre de match-là. Bien joué, il a juste ça au bon temps. Moi, l'un des points faibles qui me dérange pas mal de classe, c'est parce que ça peut. Quand t'as un excellent départ, ben ça peut virer au vinaigre dès au moment que tu te fais éjecter de l'arène, puis que t'as besoin d'un truc de saut efficace pour pouvoir revenir, mais. Sauf que tu l'as pas, puis tu finis par te faire frapper après ton double saut, puis là, après ça, t'es comme. T'as de la misère à récupérer par la suite, même en faisant une esquive arrière, puis tu te fais ralentir ta vitesse. En faisant trop d'esquives, puis dans les airs, ben, tu meurs. Faut de récupérer à temps. Je me suis bien protégé contre ça, mais mon équipier meurt à cause du B-Nerd bien chargé de joueurs de héros. La date, moi je me souviens toujours, oh non, mais bien joué de la part de joueur de Samus. C'est ça les risques qu'il faut prendre dans ce temps-là. Pour permettre de bien se rattraper. C'est ça qu'il faut dans Smash. Faut pas se gêner de donner des coups. Mais il faut éviter de trop utiliser ses attaques spéciales avec Samus. Parce que moi, je vais toujours les prédire. Si vous voulez m'avoir ma tête avec ça, il faut être précis et pas trop les utiliser. Parce que moi, je vais m'amuser à sauter par-dessous ou à me protéger une fois pour contre ça. Ok, non. Ah, il m'a shooté son plasma, le joueur de Samus, j'ai pas pu faire un up high contre le joueur de héros pour essayer de le mettre KO. Tête, oui. Ah, ben joué là-dessus, t'as bien bloqué. Oh, regardez ça, double KO! Avec un back-air en plus. C'est moi qui ai dit que la lutte du match, vous voyez bien. C'est vrai que c'est moi qui le plus fort dans tout ça, en ce moment. Pourquoi que l'autre joueur vient me faire un partage de vie, j'aurais pu battre les héros facilement même si j'étais à 65% de dégâts. T'sais, moi, je disais bien gros que tu réussisses, mais t'es pas obligé de faire ça, de faire du coup de lâcher de même. Moi, je veux qu'on me fasse confiance. Quand les gens me font des partages de vie, je trouve qu'ils me font pas assez confiance. Fait que je joue un personnage qui a de la difficulté avec ses sauts. Surtout son triple saut, qui peut être critique à tes gars. Ah non, c'était contre le joueur de Samus. Je pensais que c'était héros, non, c'est contre le joueur de Samus. Je veux. Regardez, il me fait directement un partage de vie. Pourquoi? T'es fou, toi, là. T'as déjà de la misère à lui choper.
Non, mais t'aurais pu me laisser faire, j'aurais pu battre facilement le jour de Samus, c'est-à-dire je le gérais bien, moi, là. Je sais pas pourquoi que t'es allé faire un partage de vie, j'aurais pu, t'aurais pu me laisser me faire confiance, c'est ça que je trouve plate dans ce temps-là, il y a des joueurs qui me font pas assez confiance. Quand je sais que je peux battre quelqu'un, je peux battre quelqu'un, moi, avec deux vies, là, écoute, là t'es déjà géré, là. Surtout si c'est la personne qui a 100% de dégâts, puis moi, si je me fais mettre KO, ben, il me va juste à finir avec un smash. Non, il survit à 153. Bravo, chanceux. Mais, pas à cette attaque-là. Et ça, c'est des points importants qui peuvent être facilement jouables. Il faut juste prendre le surcroche de demain puis tenter le tout pour le tout. L'erreur du joueur de Samus, ben, c'est d'avoir fait l'esquive dans les airs. Ça a donné l'opportunité au joueur de Bowser de pouvoir finir, conclure le jeu avec un forward air, voilà. Par contre, moi, ce qui me déçoit des joueurs, c'est qu'ils me font tout le temps un partage de vie quand je suis mène par deux vies, puis c'est moi qui dis que la loi du match, c'est moi qui fais les chaos pour vous autres. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Si on serait dans une situation contraire, moi je ferais confiance à mon équipier. Si je serais vous autres, parce que ça peut vous jouer des vilains tours qu'on fait des matchs juste à cause de votre partage de vie. Peut-être un partage de vie intelligent, pas un partage de vie niaiseuse de même là. Comme là ici, je joue avec un joueur de Michigan West, puis il m'a fait aussi un partage de vie. Sauf que ça a été moins dramatique, mais quand même. Surtout que je jouais contre des joueurs qui se pitchaient des items dessus avec le gun, se pitchaient du gun. Puis le joueur Monsieur Denobas qui s'amusait à s'énerver grâce à ça, puis après ça à lancer son œil panique sur l'équipe de l'adverse et paf, il se meurt d'un coup. Quand t'es juste ici. Pas très bien parti en tout cas. Comme là. Là, il paraît qu'elle a été lancée sur le jour de Kirby, puis il m'a encore de ça. Hey, yo. Oh, vous qui parlez contre le bon moment, Fiu. Oh non. Il m'a joué de la part du joueur de ligne, qui a un beau up de ce côté, il est permis de me mettre KO. Oh, ça c'était bien lourd de ma part, c'est un gros petit enchaînement de combo de 3. Puis en plus de ça, en évitant la fusée. Regardez juste ici. Bon, ok, je suis à 35%, l'autre à 78%. Qui a le plus de chances de gagner là? Checkez bien ça. Pourquoi tu me fais un partage de vie? Commande le gars, Seigneur, là, écoute. Écoute, pour moi, il est facile de jouer contre ce joueur de Kirby là. Non! Bravo! Beau tech!
Écoute, on peut s'entendre dans cette séquence-là là, que je gagnais la partie, là, même sans règle mon équipier. Là. Pourquoi qu'ils font pas confiance ces joueurs-là? Pourquoi ils me font tout le temps un partage de vie quand on est à 1 contre 1? Moi, j'étais à 37% des gars, l'autre est à 80. L'autre à 80% à une vie. Là. Yo, man, là, ici, un schmash, ça fait la job. J'ai juste besoin d'essayer de pogner sur le robot avec un schmash côté, puis le go chabay, ici, ça finit là. Mais écoute, si tu penses également, genre, que j'aille pas bien, mais je joue pas bien, excuse, là, c'est toi qui est dans le tort, là. Hey, mauvais départ déjà en partant pour toi, là. Là, c'est pas moi qui parais mal sur cette séquence-là. Déjà, j'ai déjà fait pire que ça, fait que genre. Mais moi, je m'amuse pas, moi, à faire des partages de vie, genre, pour jouer comme un crosseur, là. Moi, je suis pas un crosseur, moi, là. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de fiable. Je vais pas passer mon temps, moi, à faire partage de vie. Quand que genre mon équipe mène 2 vies contre 1, pis surtout genre c'est lui t'es à 144%, l'autre est à 111. Je peux bien lui laisser le temps de gérer tout ça. Kim, pourquoi me pas confiance? Écoutez, là c'est arrivé genre à 4 reprises hier. Pas hier, mais. C'est arrivé, ouais, c'est hier. Ben oui, non, c'est avant-hier dimanche, le 20. Ça arrivait à 4 reprises quand que je jouais Claude, je jouais Daisy. Genre, qu'il y en a qui me faisaient des partages de vie. Faisaient un partage de vie alors que je menais par 2 vies, puis de beaucoup en plus. Là, ici, là, c'est réellement un bon exemple. Ici, là, regarde, 37%, l'autre 80 à une vie. Hey! Non, mais ben, vous me jokez dessus, le monde, là. Écoutez, là. Moi, ça me démontre une chose, c'est que vous n'avez pas confiance en moi. Tout simplement. Et pourtant, je joue mieux que vous autres. C'est ça le pire. Le pire, c'est moi qui joue bien là-dedans. Tandis que moi, quand je vais essayer de faire un partage de vie, ok, je m'assure d'au moins d'avoir une certaine marge de manœuvre, comme avec le joueur de Pikachu qui avait 80% de dégâts, mais lui, il était très bon contre le joueur de Ness et de Ganada. Fait que moi, j'ai décidé de l'aider et essayer de me reprendre en main pour qu'on gagne ce match-là ensemble. Puis j'ai réussi. Tandis que là, t'avais aucun besoin de faire un partage de vie. Aucun besoin. 37% de dégâts, 2 vies contre 1 vie à 80. C'est un joueur de Kirby. Un personnage léger. Léger. Hey, il suffit juste que je sois chanceux, que je le pointe sur le rebord avec un smash côté, puis on n'en parle plus, la partie est finie. C'est sûr et certain que ça finit. Moi, je suis certain que ça finit. Écoutez, là, je veux qu'ensemble, ok, qu'on se comprenne bien, chers joueurs. Qui joue avec moi, qui joue avec Lucky Hero 7. Quand que vous voyez que ce joueur-là, ok, c'est lui qui fait de très bons jeux pour vous permettre de gagner le match, puis qu'en plus de ça, il y a juste un joueur de l'équipe adverse à battre, puis je mène par 2 vies, lui, il en reste un. Je suis en mesure de pouvoir. De pouvoir le gérer puis remporter ce match-là seul à 2 vies. Surtout là. Là à 37% de dégâts. Écoute. Faudrait vraiment être vraiment malchanceux que je gagne pas ce match-là contre un joueur de Kirby que j'aime bien. Écoute, moi j'en reviens pas là. J'en reviens juste pas. Écoutez,
vous mettez vraiment dans le trouble en faisant ça. Je n'ai pas mon travail, sinon c'est sûr et certain qu'on va perdre. Pratiquement 80%. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est à jouer, ok. Contrôlez vos émotions, ok. Puis faites confiance à votre équipe quand vous êtes partie en équipe. Je sais que c'est chiant que tu fais tout en envoyé par des projectiles comme le bénol de Samus au-dessus d'un zèbre, puis tu te mets KO en cause de ça, puis tu veux te venger. C'est pas la bonne manière de procéder. Surtout que moi, j'étais à 165% de dégâts à deux vies. Il me suffit juste que le joueur m'éjecte avec une attaque aérienne, puis je meurs direct. J'aurais pu réussir à faire quelque chose de bon. Ben, attendez à plus tard, parce qu'il va y avoir une fin spectaculaire. Puis je veux vous téléporter à toute fin avec un match que j'ai joué contre un joueur de Yoshi que je battais pas en équipe parce que, genre, il se portait trop bien, puis son neuf n'éclatait pas. Ça veut dire son bouquin n'éclatait jamais. C'est ça qui était le pire dans tout ça, puis je me forçais à faire du bourrage de coups dessus pour essayer de donner son bouquin, mais rien à faire. La prochaine était capable de pouvoir me smasher. Fait que j'ai joué autrement pour mon match en contre pour essayer enfin finalement de battre ce joueur de Yoshi là qui jouait tout le temps très défensif, soit ses rebords, il essayait de me gober une fois de temps en temps pour tenter de me mettre KO. Que ça n'a pas réussi du tout, mais ça finit quand même très bien. Allez, j'avais deux vies, genre à 184%, et y'a donc. J'ai réussi quand même à lui faire subir 50% de dégâts avant de mourir pour ma dernière vie après. 184. Combien de fois que j'ai pu résister à un pourcentage de dégâts aussi élevé? Puis que finalement, ben, j'ai quand même pu réussir à faire un bon jeu qui m'a permis de gagner le match ou bien que ça a permis d'avoir des matchs excitants. Ces deux matchs-là, ok, c'est très loin de me satisfaire. Parce que vous m'avez pas fait confiance. Pourtant que moi, je fais confiance à mes équipiers qui ont deux vies. Moi, j'interromps pas ce match-là, je veux voir qu'est-ce qui va se passer. Moi j'aime ça. J'aime ça le suspense. J'aime pas genre le genre de suspense que genre les gens s'amusent à faire des partages de vie à son équipier alors qu'ils sont dans un équipier qui était très en avance et qu'en plus de tout ça c'est lui qui dit que c'est la lune du match et qui vous fait les KO et qu'en plus de ça qui est capable de gérer les deux joueurs de l'équipe adverse tandis que vous avez à peine de la misère à faire un KO et que c'est vous qui meurt le premier avant que je meure. Écoute, c'est tout pour ces raisons-là pourquoi que genre c'est une déception là. Moi c'est une déception quand je joue avec ces types de joueurs-là. Ils sont pas capables de faire confiance à leur équipier. Ils sont trop enragés parce qu'ils sont fait avoir par une attaque spéciale. Moi ça m'arrive constamment. C'est souvent comme ça que ça finit contre moi. Je finis par passer à autre chose par après, mais c'est difficile de passer à travers certaines choses, mais à un moment donné, quand tu l'oublies, ben tu passes à autre chose. Puis je vais le répéter constamment à tout le monde, ok? Quand que vous jouez en équipe avec moi, mes chers amis, ok? Mettez-moi pas dans la baraque. Surtout quand que c'est moi qui mène la baraque. Qu'en plus de ça, il reste juste un joueur à éliminer, il est au-dessus de 80% de dégâts. Tandis que moi, j'ai deux vies, puis qu'à peine des 30% de dégâts, ou 165, je suis en mesure de pouvoir battre cette personne-là. Sur ce, on se reviendra pour la suite.